Douleur en scène. Le cœur a ses raisons de vivre à sa façon. Quand tout ne tourne pas rond, il récolte sa pénible rançon. La vie, la mort sont lasses, le temps et les années passent. Pauvre carcasse, tu es lasse, d'errer de flotter dans l'espace. Jadis, ta vie était remplie de joie, d'ivresse et de folie. Maintenant, la lumière est partie. Ne jamais croire que tout est acquis. Il y a au milieu de l'arène toutes tes peurs, tous tes problèmes. Mais vois, il y a aussi ta reine. Fais-lui de la place à l'avant-scène. Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Je vous remercie d'être fidèle au rendez-vous. Nous avons aujourd'hui une aquarelliste de renom, dirais-je, parce qu'elle a fait pas mal de travail pour faire connaître l'aquarelle, qui est son dada, qui est tombée dedans quand elle était jeune. Je vous présente Diane Forêt. Bonjour. Bonjour, Diane. Bonjour. Merci d'être là. Je sais que tu es très, très généreuse. Merci de m'avoir invitée aussi. Ah, ça me fait super plaisir. Puis vous allez voir, on a des choses à se dire, là. On va manquer de temps. Alors, déjà, tout de suite. Ah, c'est fou, là. On va avoir trop de choses à se dire. Ça fait longtemps que je voulais te rencontrer, Diane. Bien, je suis contente de vous rencontrer, moi aussi. Là. De vous ou de me? De te? Bon, c'est ça, c'est parti. OK. Diane, pars tout de suite dans le feu de l'action. OK. Puis moi, ben, je vais m'adapter. OK. Fait que vas-y. Je vais commencer par enlever mon... Ben, je mets toujours un acétate. Je me fais toujours un acétate de mon dessin parce que je fais mon dessin sur ma surface. D'accord. De alors, tiens, regardez, ensuite, l'acétate. L'acétate. Parce que tout le monde ne connaît pas. Hein? Alors, on a une acétate ici, voyez-vous, avec des dessins. Parce que tu ne veux pas perdre ton dessin. C'est ça. Évidemment. Évidemment, en jouant avec beaucoup de couleurs, on finit par perdre les couleurs qu'on a mises sur notre papier, puis pour se retrouver un peu dans notre dessin. C'est un beau truc. Bon, c'est un beau truc en passant. En même temps, ben, quand on transporte nos choses, ça le protège. Ah, voilà. Ça empêche des graphiques. Ah, je t'arrête tout de suite. Ouais. Protéger l'aquarelle, oui. On en parle. On a derrière nous trois tableaux. Oui. Il y en a un qui est avec du médium... un médium mat, là, oui, ou qui est de l'acrylique. Acrylique, d'accord. On a le secret de Mon Diane. Secret, oui. Parce que Diane t'a mis au monde. En tout cas, t'as beaucoup travaillé la technique, toi. Oui. OK. Oui, alors ça, c'est un secret beaucoup pour d'études. Protéger beaucoup d'études, oui. Oui. Énormément d'années. C'est la meilleure. Moi, je considère, parce que là, il y a aussi l'aquarelle avec verre. Avec verre, oui. Je considère que c'est la meilleure façon pour protéger l'aquarelle. Excellent. Parce qu'on n'est pas pris avec les vitres que les galeries n'aiment vraiment pas. Exactement. Ils ne veulent jamais voir. OK. Fait que ça permet de passer et d'aller en galerie plus facilement avec ça. Puis c'est restaurable par rapport au gel acrylique. Ah, l'est voilà. Pas. OK. Ouais, bon. Ouais. Mais ça, on ne parlera pas plus de ton secret. Non, mais ça, je peux l'enlever. T'sais, je peux dire que je peux l'enlever. C'est vrai. Là, puis donc, corriger mon tableau si je ne suis pas satisfaite. Puis là, c'est assez résistant. Moi, j'appelle ça une cire haute densité. D'accord. Bon, ben c'est tout ce qu'on va savoir. C'est ça. On n'ira pas plus loin. OK, non. On continue. Attends, je vais montrer à l'écran tout de suite, même si on va avoir des belles images. C'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Oui, oui. Ça, c'est un carton d'illustration. D'accord. Strat-moi. OK. Moi, j'adore travailler sur cette surface-là. Elle est plus dure que le papier aquarelle. D'accord. Et moins buvard. OK? Oui. On reste plus... ça reste plus... En surface, les pigments et l'eau, ils rentrent pas dans le papier. OK. Donc, c'est ça, tu travailles pas dans mouillé sur mouillé. Oh, je travaille avec beaucoup d'eau. C'est surprenant. Ah, OK, d'accord. C'est mais avec ce carton-là aussi? Oui. OK. Oui, bon. Oui. Parce qu'on pourrait pas arriver à faire tous ces fondus-là s'il n'y avait pas d'eau. OK. D'accord. Bon. Là, c'est certain que les zones claires, pas, sauf les pommes grenades, toutes ces zones-là, je les avais réservées avec une gomme réserve comme d'accord. ça. D'accord. OK. Tu travailles avec la gomme réserve c'est aussi. Ça, avec excellent. Une gomme réserve. Qu'on connaît bien, je pense. Qu'on connaît, qui a différentes c'est comme un petit caoutchouc qu'on applique au pinceau. C'est ça, que j'ai enlevé parce que c'est certain que dans le temps qu'on a aujourd'hui, je n'ai pas le temps de tout faire. Non. Je fallait chauffer c'est pour ça étapes, que tu as travaillé avec, pour c'est nous, ça. Là. D'accord. Fait que là, moi, je vais commencer tranquillement, probablement parce qu'on dit toujours en peinture, on travaille par ce qui est plus loin puis on finit par ce qui est plus proche de nous. Ou dans les paysages, on fait le plus froid, puis on arrive au plus chaud. En tout cas, il y a plusieurs techniques et dire. Exactement. Je commence par la pomme grenade qui est là. Je te dirais, pendant que tu commences avec le pinceau, je te dirais que je pense qu'il y a autant de techniques que d'artistes. Ah, mon Dieu, oui. C'est un langage. Tout est bon. C'est un langage, bon. Voilà. C'est le résultat final C'est ça que je dis pendant que tu beurres un peu. Ça ne te gêne pas, je dis beurrer. Moi, j'aime ça dire ça. Mais je ne vais pas t'insulter. Non. OK. Alors donc, pendant que Diane commence à appliquer quelques couleurs,
Alors, c'est ça qui est important. Je vous dis souvent que oser créer, oser être vous-même, oser ne pas être sûr de quoi que ce soit, mais vous lancer, c'est juste pour le bonheur de peindre, de oui. créer, n'est-ce pas? Oui, moi, je dis souvent une phrase à mes élèves, la créativité autorise l'erreur. Ah, voilà! Mais l'art, c'est de savoir laquelle garder. OK, excellent! C'est vrai que c'est ça. C'est beau. Il faut vraiment faire des erreurs pour arriver mm-hmm. à quelque chose de bien. OK, d'après ce que je peux voir, moi, je ne peux plus parler avec Diane parce que là, elle n'a pas mis une goutte de peinture encore. Tu vas voir. T'as beaucoup d'hormones mâles, j'ai l'impression, parce que tu fais juste une chose à la fois. Non, non, non. Je te laisse aller, là. OK, wow, j'aime ça, cette couleur-là, moi. J'applique un mélange de rouge, de cadmium clair D'accord. avec un rouge Windsor. OK. Pour faire le plus clair de mes pommes grenades. OK. Il ne faudra pas que j'oublie de garder ma lumière. Ça, c'est bien important. Très important, la lumière, c'est le secret. Hein? C'est le secret en peinture. Pendant que tu nous fais ça ici, la lumière, moi, je veux parler d'une autre lumière dans ta vie. Tu écris des textes. Ça, c'est suite à tes études, n'est-ce pas? Oui, tes études, de recherche. Là, recherche. J'adore faire de la recherche. Okay. C'est ce qui nous permet aussi d'évoluer et de créer des choses qui n'existent pas. Exact. En connaissant notre matériel qu'on n'utilise plus à fond, savoir que le tube de peinture, c'est quoi qu'il contient, mais lui, il va nous permettre aussi de développer d'autres techniques. Oui. Ah, ben oui, si je rajoute plus de, mettons, de gomme arabique ou plus de pigments, ou même dans l'histoire, même si on regarde dans l'Antiquité, là, on regarde, je sais pas, 200 ans avant Jésus-Christ, exemple, ils ont trouvé, proche des murailles de Chine, des anciennes cartes qui étaient faites à peinture à l'eau, là, à cette époque, ils disaient pas aquarelle, et étaient sauvegardées avec un certain produit que moi, j'ai décidé de faire à partir de ça, mon développement de ma protection. Bon, mais ça, c'est à cause de la recherche. C'est la recherche qui fait qu'on trouve des choses qui sont intéressantes. Tout à fait. Ici, on a donc plusieurs formats, plusieurs cahiers de l'aquarelliste. Oui. Tu as aussi des chroniques sur Art Academy, n'est-ce oui, pas? Dans ça, je sais pour t'avoir lu souvent. Pendant que tu continues, moi, je montre ici, Diane est dans le dictionnaire de la francophonie canadienne. N'est-ce pas? C'est quand même une belle réalisation. Regardez le bouquin pour être là. C'est parce qu'on a travaillé fort. Hein? Oui, puis tu veux que je montre quelque chose? Je suis juste après, avant Marc-Aurèle Fortin. Wow! Bravo! Moi, ça, je trouve ça drôle. Je trouve ça le fun et amusant à dire. C'est sûr. Absolument. Tu es bien chanceuse. C'est une belle position. Ben oui. Et puis, ben là, je ne pourrais jamais atteindre ce statut-là parce que. Avec Clermont, je suis loin des F, hein? Oui, mais il y a d'autres artistes dans les C, il y aurait... Non, on continue, c'est pas grave. Je t'en trouverai un tantôt. Oui, ici, oui. on a un livre, des magnifiques bouquins américains. Américains. Splash. Oui. Ça, c'est c'est les meilleurs aquarellistes à travers le monde qui sont sélectionnés. Bravo! Moi, je suis vraiment contente de ton cheminement. Mais comme je dis, il n'y a rien de... Bon, on n'est pas obligé d'en faire une profession juste pour le bonheur. Puis, mais ça peut devenir une profession aussi. Ça peut. Ça devient tellement... On aime tellement ça. C'est facile. Oui. Tu sais, quand on s'implique, puis on recherche, puis on travaille, puis on fait un tableau, puis un autre, puis là, on a le goût d'en faire d'autres. Ah oui, ça, c'est sûr. À quelque part, c'est pas une maladie, mais... Non, mais c'est une passion. C'est une grande passion. C'est ça que je voulais dire. Oui. Oh, là, on a une belle pomme grenade là, qui garde sa lumière ici. Qui est en train Évidemment, de prendre on va vous la montrer un Moi, peu. Je tourne beaucoup. Hein. J'espère que je ne donnerai pas le temps. C'est bien, c'est correct. Non, mais on découvre Diane Forêt en ce moment. Tu vois? Puis là, ça sèche, on parle un peu. Oui, bien c'est ça, hein, l'aquarelle, ça t'embête pas trop. Tu n'es pas obligée de me regarder. Non, hein? Ça ne me dérange pas. Je suis capable de reprendre, même s'il y a des petites choses imprévues, c'est pas grave. Ça ne sera pas jamais une erreur majeure. À l'aquarelle, beaucoup de monde dit « Ah, ben là, si je ne fais pas correct, je ne pourrais pas me reprendre. » Mais à quelque part, moi, je pense que, de toute façon, dans une aquarelle, on dit que c'est des accidents organisés, fait qu'on peut s'organiser. Est-ce que ça sera correct à la fin? Moi, c'est moi qui est en train de t'organiser aujourd'hui, là. Non, on a du plaisir. OK. Ben oui, absolument. On a du plaisir. Alors là, la combinaison de tes couleurs, toi, c'est pour donner de la force. La force et la dimension au fruit qui est là. OK. D'accord. Là, ben, si tu regardes, en principe, je mets beaucoup d'eau.
Puis je vois tout de suite avec les couleurs fortes et moins fortes. Tu vois, ça donne tout de suite la dimension. OK. C'est certain qu'il y a des zones pour moi qui sont trop sèches dans le moment. Les quoi? Des zones. Il y a des zones trop sèches? Il y a des sèches. Zones, oui, trop D'accord. sèches. D'accord. OK. Mais on va y arriver pareil. Tu donnes des ateliers beaucoup aussi, oui. hein? Oui, je donne des cours, des ateliers à travers la province. Je me déplace. Je fais du coaching aussi privé. Je fais un peu de tout. Je donne des cours. Ben, c'est aquarelle, technique mixte, acrylique. Des démonstrations. Des démonstrations aussi publiques. OK, c'est important de revenir sur ça. Aquarelle, technique mixte et... Oui. Évidemment, acrylique aussi, que tu travailles avec de l'eau. Oui, c'est ça. Oui, parce que, comme là, j'ai un atelier bientôt qui s'en vient, puis c'est de l'aquarelle à l'acrylique. Beaucoup de monde veulent faire l'acrylique comme on fait l'aquarelle ou vice-versa, ou partir de l'aquarelle parce qu'ils voient qu'ils sont plus difficilement acceptés en galerie, fait qu'ils vont ils veulent aller vers l'acrylique pour ouvrir d'autres marchés. Pis, d'accord, OK. Mais ça suit pas mal. Quand on connaît aussi comme il faut les bases de l'acrylique, tout ce qu'on peut faire, pas faire, certains trucs, c'est pas mal proche parent. C'est comme dans mes familles. Les Américains, ils vont utiliser souvent l'acrylique quand on parle de watercolor. Ah oui? Oui, dans les concours. Puis ils prétendent dire que c'est watercolor? C'est watercolor. Ben, Et c'est de l'acrylique? C'est de l'acrylique, mais ils le font parce que c'est diluable à l'eau, l'acrylique. Hein? Oui, mais quand même. Mais c'est pas une détrempe. L'aquarelle, elle est une détrempe parce qu'elle est détrempable, mais pas l'acrylique. D'accord. Mais dans les concours ou même dans le splash que vous avez regardé, vous allez voir, il y a des fois qu'il peut y avoir même de l'acrylique. Oh! OK, mais en grande proportion, là? Il peut en avoir pas mal, oui. Wow, oui, dans certains concours, oui. Oui, oui. Je croyais c'est qu'ils étaient plus... C'est pas comme ici, à Montréal ou au Québec. Au Québec, ben, c'est quand on voit la société canadienne d'aquarelle... C'est pas mal plus puriste. Ah, c'est 100% aquarelle, sur papier, 100% coton. Pas plus que 10% plus dans le moment accepté. On sait qu'il y a une réunion bientôt avec le comité, puis là, ça va se discuter, ces choses-là. Ah, là. Bon. Jusqu'à où qu'on peut aller là, dans l'acceptation. Parce qu'il y a tellement de produits nouveaux qui arrivent sur le marché, là, les Youpo, les papiers Youpo, les papiers Terraskin, qui sont super beaux, qui donnent de belles couleurs vivantes. Mm-hmm. C'est à quelque part, est-ce qu'on va les accepter? Oui, parce que là, il y a une question. Ça prend des barèmes. Ça à un moment donné, il faut avoir des balises pour dire, c'est juste pour tout le monde. Là, beaucoup vont peindre sur toile, même à l'aquarelle maintenant. Oui, absolument. Ce qui est très beau. Oui. Fait que, si on veut, c'est surtout pour le salon. En dehors du salon, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais pour le salon, on a besoin de... unité dans l'ensemble de la présentation. D'accord. Bien, là, pour en parler davantage du salon, après notre pause, on a encore quelques secondes. Moi, je te laisse encore jouer dans l'eau. On revient dans quelques secondes après la pause. Vous allez être là? Oui. Tantôt. On va regarder au chaud. Moi, je travaille en français. Merci, Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. On est de retour. Diane est encore avec nous. Heureusement. Hein, je l'ai attachée. Non, même pas besoin. Même pas besoin. Diane, non, on est bien ici. On est assez agréable. Oh, c'est gentil. Ben, j'espère que c'est agréable pour vous aussi. Une belle équipe. Good, good. Oui, ils sont gentils. Je veux vous remercier d'ailleurs officiellement. Là. Je nomme pas vos noms. Vous êtes dans le générique. Diane, on a jasé durant la petite pause en cachette. Mais là, on va dire à tout le monde. Je t'ai présenté comme quelqu'un qui est tombé dedans quand tu étais jeune. Oui. Mais là, c'est plus que plus, hein, parce que c'est vraiment jeune que tu as commencé les arts. Oui. Moi, les arts, ça a toujours été une passion. Ma passion était partagée entre la peinture, le dessin et la musique. J'aimais beaucoup les deux, mais c'est probablement la peinture qui a pris le dessus, vu le destin qui s'est présenté devant moi. Bien, définitivement, c'est définitivement la peinture qui a pris le dessus. Oui. Parce que tu m'as souligné, imaginez, c'est pour les enfants aussi, puis pour les parents que je dis ça, parce que c'est très, très important. Tu as été encouragée à l'âge de 13 ans, tu as gagné un concours. Un concours provincial. Provincial? À l'époque, on commençait à parler un petit peu d'environnement. Puis là, le concours était allé au niveau scolaire, toutes les écoles secondaires de la province. D'accord. Les élèves pouvaient participer et soumettre une idée de publicité
pour l'environnement. Wow. Puis c'est moi qui ai gagné le premier prix provincial. Ah, c'est pas banal, hein, parce c'était, que à l'époque, c'était pas grand-chose. C'était, ça a servi dans les lieux publics, tout sur les poubelles, les postes de payage qu'il y avait à l'époque. C'est une petite affiche qui était une poubelle, puis il disait « En poubelle, ils sont! » Oh, c'est c'était, cute! C'était qui ouvrait, là, puis c'était aussi adorable. Simple que ça. Bon, ça, c'est devenu un logo international. Bravo, après. Bravo! Bien là, ça donne le goût, bien sûr, quand tu as un commence... tremplin semblable. C'est ça, ça commence ah, comme c'est ça. Génial. Génial! Mais là, tu travailles, là! Mais oui, mais là! La côte, elle me regarde ça, dans le, elle me regarde dans le blanc des yeux. Mes yeux sont noisettes. Tu peux continuer? C'est bon, tes yeux! Merci! Belle couleur, noisette, merci. Là! Merci! Bon, mais justement, tu étais justement dans le noisette tantôt. C'est trop drôle, pareil. Effectivement. Alors là, Diane, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Ah oh, moi, hein? Je suis pas fixe. Oui? Je peux être, c'est ça. OK. C'est le fun, parce que ça nous donne en même temps une autre vision de notre travail. Bien sûr! Puis bien je tourne sûr. Beaucoup. Parce qu'en travaillant avec beaucoup d'eau, malgré tout, il mm-hmm. faut que j'ai un meilleur contrôle okay. de tout ce que je mets sur mon papier. Okay. Puis, une question des fois de niveau de plancher. De niveau de plancher, oui. Bon, d'accord. Ouais. Hey, justement, est-ce que tu travailles quelquefois assis à la maison, sur le bout d'un banc? Là? Ça me peut m'arriver, mais oui, pas assise là, confortablement, non, juste c'est sur ça, le bout. Juste hein? pour être à l'aise. Okay. Bon, puis même okay. debout souvent, parce qu'on a besoin de bouger un peu oui. plus. Hein? Mm-hmm. Rester assis tout le long, là, c'est dur. Parce qu'on est comme moins actif. Bon, mm-hmm. c'est comme un travail de bureau. On est tranquille, assis à notre chaise. Puis il faut se lever. Bon, on continue. J'aime ça aussi, les petits temps morts, des fois. Hein? On dit rien. On regarde. On est comme chez toi. Est-ce que tu travailles dans le silence? Non, avec de la musique. Avec de la musique. Oui. Bon, c'est moi ta musique aujourd'hui. Chanceuse. Hein? Là, c'est assez. Ben, j'ai regardé dernièrement la télévision. Puis j'ai vu le film sur... mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Son nom. Modigliani. Oh, c'était fantastique. Je ne sais pas si c'est le même oui. film que j'ai vu. Oui, oh là oui, là, oui, mais quelque très, chose. Très, là. Bien, très beau film. J'ai adoré ce film-là, moi. Puis la partie que j'ai retenue le plus, là, c'est quand il prépare le tableau pour le concours. Oui. Qui est vraiment intéressant. Mais il faudrait que je regarde. Oui, c'est un beau film, ça. Et la musique. Modigliani. Et la musique qui joue à ce moment-là, super. C'est il y a Ode à l'innocence. Puis je trouve que c'est vraiment approprié à ce qu'un peintre fait. Bon. Fait que j'ai. D'accord, aimé, il faut que je le réécoute. Et puis, tiens, donc, pendant que tu nous. Que tu nous barbouilles ça, là, hein? Moi, je suis pas gênée. Non, non, je c'est sais pas ça. Si un ça jour je vais insulter quelqu'un, ça a mais l'air, ça m'amuse. Ben, c'est sûr que des fois, on a l'impression que c'est comme vous, c'est pas fini, qu'on se demande où est-ce que ça en va. Oui, c'est ça, effectivement. Normal, ben, moi, je te suis. En fait, c'est une évolution, hein, d'un mouvement à oui. l'autre, d'un coup de pinceau à l'autre. Toi, tu as quand même une idée de où tu veux t'en aller. Oui. Mais tu vas quand même accepter, c'est ça qui arrive ce avec qui l'aquarelle. Arriver. Oui, c'est tu vas ça. Accepter l'inconnu. Oui. On n'est pas des personnes en contrôle. Non. On n'en veut pas. Non. Hein? On accepte. Veut pas le contrôle. On accepte tout ce qui va arriver. Exact. C'est ce qui fait la beauté du travail aussi. Mm-hmm. Qu'on n'ait pas le contrôle. Non. Rappelle-moi le papier que tu as, le carton que tu prends ici, parce que j'aime vraiment ça. Ça, c'est le carton d'illustration Strathmore. Okay, c'est le série 500. C'est, OK, c'est vraiment intéressant le travail que ça fait. Vous pouvez toujours essayer, hein, les oui. petits bouts. L'avantage, c'est parce qu'il y a une différence entre le Taraskin et le Yupo. Ben, les trois, à peu près, ils pourraient être aussi brillants, les couleurs dessus. Ça okay. fait pas comme le papier H ou autre papier. Oui. Mais la différence, c'est que lui va quand même absorber un peu plus que le Yupo d'accord. ou le Taraskin. Oui, oui, définitivement, le Yupo, c'est... C'est une patinoire. C'est... Oui. Je le fais faire à mes élèves en okay. technique extrême. Je lui dis, ben là... En technique extrême? Oui, parce que quand on est trop pris dans nos peintures avec oui. notre papier régulier, ben là, je dis correct, on va aller avec un Yupo. Comme ça, on est obligé de sortir de nos sentiers battus. D'accord. Puis, OK. Ah, c'est intéressant. Un peu plus laisser aller. D'accord. J'ai toujours voulu, je te l'annonce, là, j'ai toujours voulu prendre des ateliers avec toi. Ah, ça n'a ben jamais merci. À donner. Ça n'a jamais à donner. On a du plaisir. Bien. Beaucoup. OK. À beaucoup. Un moment donné, je vais m'inscrire à ton c'est atelier. C'est ça, tu vas avoir un peu plus de temps parce que tu es assez ben occupée, oui. toi aussi. Un petit peu. Un petit peu, mais la vie est bonne, puis on accepte de... De jouer à la vie. Oui. Hein? C'est ça. Il fait beau tous les jours, même s'il pleut. Ben oui. Moi, j'aime bien le mois de novembre. On est rentré en novembre. Oui, oui, oui. La lumière est tellement particulière et spéciale. Exact, fait oui. que je trouve ça vraiment agréable. Tu sais, le temps passe pendant oui. que tu joues
À l'aquarelle, hein, c'est ça, en fait. Tu joues puis tu t'amuses. Tu vas nous parler un petit peu de tes associations. Je les nomme. Il y a trois associations qui sont importantes pour toi. Oui. En aquarelle, bien sûr. Il y a la Société canadienne de l'aquarelle, oui, dont tu vas nous parler. Il y a également l'Art Academy, oui, qui est un organisme très important dans ta vie, et l'Institut des arts figuratifs. Alors, je, oui, te laisse aller, prendre la direction que tu veux. Je vais commencer par la Société canadienne de l'aquarelle, qui est assez importante. Oui. J'ai déjà été vice-présidente. J'ai été longtemps sur le comité parce que, c'est sûr, l'aquarelle nous tient tellement à cœur. On veut, à l'époque, quand j'étais là-dessus, j'avais dans l'idée, bien, il faut vraiment promouvoir plus l'aquarelle, la faire connaître. Mm-hmm. Et, tu sais, c'était ça. Mais c'était des chevaux, un cheval de bataille. Puis ensuite, ben c'est ça, c'était ma plus grande passion. Oui. Après ça, bien, dans ma vie, est rentrée aussi, je suis devenue membre de l'Institut des arts figuratifs, qui est aussi à travers le Québec, une association qui est reconnue avec des grands artistes. Oui. Puis après ça, bien, sur mon chemin, bien, j'ai décidé d'adhérer aussi à l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, qui est une belle ouverture pour les artistes, parce que moi, n'ayant pas mon site personnel, j'ai plutôt lié mon adresse Internet avec le site de l'Académie, qui nous donne une belle... C'est ça, c'est un bel outil. Oui, un bel outil, il est bien conçu, outil, je sais. Facile d'utilisation. Je trouve que c'est une belle organisation aussi. J'ose pas, parce que vous savez quand même, à l'aquarelle, hein, il y a de l'eau. Et puis, je ne peux pas prendre le tableau et vous le montrer parce que ça va faire une coulisse. Puis là, on est dans les pommes grenades, on ne veut pas de coulisse. C'est beau ce qui se produit. Oui, c'est beau, j'aime ça, moi. Ouais. Alors, donc, ces associations-là qui sont importantes, dans lesquelles tu t'investis aussi, hein, la Société Société des aquarelles, je continue encore à m'investir pas mal. D'accord. Là, je viens de préparer un document de 6 pages pour définir réellement c'est quoi l'aquarelle, Va peut-être paraître dans un futur aquarelliste. Mm-hmm. C'est encore mon cheval de bataille parce qu'il y a trop de oui-dire et de malentendus, même dans la même association. Okay. Fait que j'aimerais qu'on réétablisse un peu les barèmes de présentation pour l'aquarelle. D'accord. Puis il y a l'Académie aussi que je m'implique pas mal. Mm-hmm. Que je fais... Fait qu'on a du pain sur la planche. Oui, 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 oui. Mis à part tous les projets de peinture qui sont là pour la vie, hein? Oui, ça, ben, ça fait partie de la continuité du travail de tous les jours. OK. Un besoin de vivre, un besoin D'être soi-même. C'est ça. C'est le prolongement de ce qu'on est. Mm-hmm. C'est souvent... Moi, je me sers des arts pour souvent parler... exprimer des émotions aussi, dire ce qu'on a à dire. Mm-hmm. J'ai fait actuellement une série de dessins importantes. Puis c'est comme ça, c'est par les arts qu'on exprime ce qu'on veut dire. Mm-hmm. On exprime notre silence. Oui, hein? Silence et émotion. Oui. Ouais. Ouais, des choses qui se passent à l'intérieur. Des fois, des choses que personne ne peut imaginer ou comprendre. Oui, puis qu'on n'est pas obligé d'expliquer, on fait juste le mettre sur papier, c'est fantastique. Oui. C'est un peu comme c'est une belle thérapie. Oui. En tout cas, c'est sain. Oui, ça empêche. Oui, beaucoup de gens vont se servir de ça pour empêcher aussi de tomber en dépression, faire des arts, que ce soit l'art-thérapie ou n'importe quel art. Oui. Ça aide à rester J'ai déjà, il y a quelques années, travaillé avec des gens âgés. Moi aussi. J'adore ça. C'est tellement fantastique. Puis c'était tellement important, la part qu'on donne à ces gens qui ont souvent peu de mobilité. Hein? C'est en plein ça. Et puis, si tu savais, Le bien, oui, le bien que ça fait. C'est ça. Je donne des cours à la maison ambiance, oui. La maison... Il y a 3 places où je donne des cours aux personnes âgées. Puis j'aime bien ça. Wow. Parce qu'ils en ont besoin. Absolument. Puis des fois, c'est des découvertes, puis des fois, c'est des gens qui ont déjà peint. Mais là, qui sont plus limités physiquement. C'est ça. Et que c'est des gros bonheurs. J'ai eu un patient qui est décédé dernièrement. Lui, il n'avait plus de mémoire présente. Ah oui. Puis il aimait vraiment peindre pareil. Là. Oui, mais c'est ça. Pour lui, il était dans le bonheur. C'est important, oui. Même s'il n'avait plus de mémoire présente, il arrivait à peindre des belles choses. Absolument. C'est incroyable. C'est surprenant ce que On a beaucoup de choses à faire dans la vie, hein? Oui. C'est le temps qui passe. Il nous reste à peine
une petite minute, Diane. Ah. Moi, je te laisse les derniers mots. Mon Dieu, j'étais contente d'être reçue par votre équipe, de présenter un peu mon petite parcelle de mon travail. Une infinie petite parcelle, oui. Puis, je souhaite que tout le monde trouve le bonheur dans l'art et ce qu'ils font. Oui, effectivement. Ouais. Puis si vous ne voulez pas peindre, bien, achetez. Ah, oui, il y a des petits formats. C'est ça le but de l'émission, c'est de faire connaître les arts à tous, vraiment à tous. Et Diane, ben, il me reste à te remercier. Oh, j'ai un petit quelque chose pour toi. J'ai le coffret d'art. Oui, tu peux exposer. Je prends quelques secondes. Tu peux exposer une œuvre d'art au coffret d'art de Sophie. Ah, ben, merci. Dans beaucoup. Le vieux Bel Oeil. C'est le fun, une visibilité, c'est oui, toujours intéressant. Oui, c'est le but du jeu, c'est le but ben, du merci. Jeu. Merci, merci au coffret d'art aussi. OK, c'est gentil. Ardiane, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. C'était, encore une fois, une magnifique émission que j'espère vous avez appréciée au plus haut point. À la prochaine! Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français.